Votre mission était de prendre l'hôtel, pas d'évacuer les civils. Qui a dit que c'était une opération de sauvetage? On pensait avoir le temps, mon colonel. Aux dernières nouvelles, c'est Turner qui commande, et pas vous. Vous le laissez prendre les décisions? Non, mon colonel. C'était mes ordres, c'est ma faute. Tout est notre faute. À l'heure actuelle, j'ai mieux à faire que de me demander si deux de mes meilleurs éléments sont capables de suivre les ordres. Nous sommes à la veille de l'une des plus grosses opérations de toute la guerre. Je vous rappelle que ceci est le point d'entrée de notre dernière poussée jusqu'au Rhin. Nous allons devoir raser toute une forêt pour que le convoi puisse passer. Donc à partir de maintenant, vous allez devoir vous surpasser. Alors vous arrêtez les conneries tout de suite et vous allez vous préparer. Ça fait déjà 3 semaines. On rase la forêt de Hurtgen pour que le convoi puisse avancer jusqu'au Rhin. J'aurais mis 3 semaines à lire ta lettre, et j'en suis pas très fier. Si elle te largue, on est là pour toi, mon pote. Au moins, je t'aurais prévenu. Hé, hey, la ferme. Tu le laisses parler. Elle est enceinte. Wow ! Hé ! Hey, c'est génial, incroyable. Mon vieux. Daniel va bientôt être papa. Elle a essayé de me le dire avant, mais je voulais pas l'entendre. Bon, allez. Je dirais pas non à un petit café. Allez, vous autres, laissez-le un peu tranquille. Je veux pas de café, moi. Oh, que si. Je suis désolée d'avoir tardé à te le dire pour le bébé. J'ai essayé le jour de ton départ. Le jour où tu m'as prise en photo. Rassemblement général. Où est Daniels? Davis va parler. Rapplique. J'arrive. L'usine de la mort. 14 novembre 1944. Hurtgen est sombre et presque impénétrable. Notre mission, prendre la colline 493. Quiconque la détient, contrôle la vallée. Pour d'autres hommes, la tâche serait insurmontable. Mais notre division se targue d'une noble histoire. Pendant la Grande Guerre, nous avons été les premiers à tenir tête aux Allemands. Les premiers à lancer une contre-offensive. Les premiers à traverser le Rhin. Rien ne nous arrêtait et rien ne nous arrêtera. Lieutenant, quelle est notre devise? Pas de mission trop dure, pas de sacrifice trop grand. Le devoir d'abord. Je ne vous entends pas. Pas de mission trop dure, pas de sacrifice trop grand. Le devoir parfait. D'abord. Alors maintenant, préparez-vous. Le devoir d'abord. C'est reparti pour la boucherie. Amen, frérot. On décolle dans 5 minutes. Est-ce que j'ai eu le temps de faire des trucs, ou de manger, ou un truc comme ça, je sais pas. En tout cas, salut à tous et à toutes, je suis Seros et bienvenue à tous dans la suite de Call of Duty World War 2. Je peux manger un truc? Pigé. Merci beaucoup. Il est au poste qui surplombe la vallée. Ah, donc je dois livrer la nourriture. Ok, d'accord. Je dois livrer de la nourriture, en fait. Je pensais pas, en fait, que j'aurais été un ravitailleur. Hey, Faro, are you okay? Are you alright? Hey, Jude. Avec les compliments du chef. Du premier choix, hein? Yes. Merci, l'ami. Ça se présente comment? T'as qu'à voir. Ouh, la jolie montagne. Les canons tirent sans relâche. Ça n'arrête pas. Il paraît que vous partez à l'assaut aujourd'hui. Yes. C'est prévu. Bonne chance à vous. Merci. Merci beaucoup. Ouais. T'es allongé dans la boue, putain, c'était horrible. Pauvre toi. Le campement, il est vraiment pas loin des trucs de bombardement. Hein. Donc du coup, s'ils ont envie de bombarder, ça va être horrible. C'est cool, en fait, des petites missions qui servent à rien, mais qui rajoutent un petit peu dans... On va dire à l'histoire du jeu, si tu veux. Hé les gars! Bon, notre objectif est d'éliminer les pièces d'artillerie au sommet de cette colline pour prendre la forêt. Première étape, retrouver la deuxième section à la rivière avant de se mettre en route. Ok, pourquoi il y a des cailloux qui tombent de la montagne? Une résistance forte. Le pont arrête pas de changer de main. On va les aider à le sécuriser. Le voilà! Davis a rassemblé le plus gros convoi de blindés du monde, ma parole! Oh putain! Si ça colle pas la frousse aux boches, rien n'y fera. Encore un bout de chemin jusqu'au Rhin. C'est pour ça qu'on doit les protéger et faire taire ces canons. D'accord. Surveillez vos arrières! Vous êtes dans l'usine de la mort ici! Alors, il y en a qui marchent et il y en a qui... Qui sont en tank. Des gens qui ont plus de chance que des autres, hein. Ma mamie, elle s'est pété la hanche
Et chaque hiver... Parce que je ressemble à ta mamie. Maintenant que tu le dis... Ouais, embrasse mon cul gelé. Est-ce qu'ils sont non, cons? Non merci, je préfère celui de mamie. Quel charmant tableau. Ça fait un peu Brother in Arm dans le style. Tout c'est cool. Tout le monde vers moi. Mars, comment vous tenez le coup? Ces fumiers arrêtent pas de nous attaquer. La prochaine vague pourrait être n'importe quand. D'accord, première section, on leur file un coup de main. En avant. Reprenez le terrain. Établissez un périmètre défensif. Prenez ces mines et mettez en place ces mitrailleuses. Barclay, Cooper, allez jusqu'au pont et prévenez-nous si vous voyez du mouvement. Oups. On doit renforcer les défenses. Posez ces mines. Chef, je croyais qu'on devait neutraliser l'artillerie sur la colline 493. On peut pas laisser nos lignes exposées. On rejoindra le point de rassemblement oh. Et on aura sécurisé le pont. Oh oh. Ok. Notre boulot n'est jamais facile, soldat. Du coup, je l'ai posé où à peu près? Jamais passé. Ouais, je crois que c'est l'idée. Tu sais quoi? Je vais en poser un petit peu partout au cas où. Ça peut servir. Peut-être, éventuellement, ça va m'aider. Bonne de la brume. Je peux démonter le fusil, c'est super. Préparez-vous. Incoming! J'ai envie de crier, c'est pas ma guerre, mais ce serait tellement surfait. Qu'à côté ! Oh mon dieu ! Repliez-vous ! Sur la tête de mon ouest ! On décroche ! Ok ! Ça c'est du tir ! Ah ! Vous mec, ça va ? Tu allez, vas te tirer ! Contact ! À 10h ! Putain, j'ai plein de potes et j'ai plein de potes blessés ! Je l'ai amené où ? Bien battu ! Yeah, ouais, je t'emmène là. Alors, ils sont où les autres blessés là ? Ah ! Merde, ils sont morts, je pense. Je vais me soigner, moi, en fait. Détendez. Défendez le pont. Plein d'ennemis. J'ai pas de munitions, bordel de merde. Des grenades. Tout ce que vous pouvez trouver. Affirmatif. Mec, y'a quand même des munitions pour moi, please. Ah, lui, là-bas. Mec. Oh, mon dieu, il est mort, lui. Ça va merci. Aller. Viens ici, viens ici, viens ici. Ah oh, bon, je suis en train de me prendre des tirs. Accroche-toi, l'ami. Ah bon. Et qui va m'aider, moi, si je meurs hein? Personne, hein. Moi, j'ai tout le monde, mais personne ne m'aide. J'ai pas de balle. Ah si, j'en ai, en fait. Détruisez le char, ouais. Yes. Essaye de trouver un Panzer Strike. Ok. Y'a un lanceur juste là, vous êtes sérieux les gars? Vous m'avez fait courir le côté là-bas pour rien? Les munitions t'attendent, soldat! Bon boulot, Daniels! Il est presque à chaise! Sur les cadavres! Presse, hein! Chef, des munitions! Please! Tiens, Daniels! Merci! Le mec, il avait des munitions. Arrête! Il avait des munitions dans son sac. Tout le monde a des Panzer Chef et y'a que Daniel qui peut le faire, c'est n'importe quoi! Erreur de combat. C'est bon, il est down. Il ouh. Eh ben punaise. Ça va comme tu veux. Donne-moi ça. Ok, non, on va pas prendre ça. Travail, Daniels. Ouais. Première section, ralliement vers moi. Daniels, ramène-toi. Ouais. Quoi? J'ai besoin d'une arme en fait. J'ai un lanceur, c'est tout. On va se séparer en deux équipes. Pearson, vous ferez route vers la colline au nord. Je suivrai la rivière avec une escouade pour vous couvrir. Rassemblement au pied de la colline 493. Alors voyons,
Hey, tu fais gaffe à toi. Ouais, hein. Toi aussi. J'espère que tu vas pas regretter de cette Ces deux-là, en fait, je sais pas trop. Ils risquent de faire échouer la mission. Voilà pourquoi on doit couvrir le flanc de Pier 5. Hec ! J'ai une arme de merde ! J'ai 9 mm ! Du point de rassemblement, chef. On atteindra bientôt la base de la colline. Enfin, 1911. On va juste suivre la rivière. Ok. On suit la rivière, comme tu veux. Ça me dérange pas plus que ça, mais je t'avouerai que là, l'arme que j'ai n'est pas forcément la meilleure pour ce que je dois faire. Ça va pas être simple de les neutraliser. Prenons les arvers, mais attention à pas vous faire repérer. Baissez-vous. Ah, prenons les arvers. Éliminez l'unité de moitié. Oh, c'est un sniper. À toi de jouer, Daniel. On attend ton signal. Ok, chef. Mais même pas idée. Ah, j'ai pas de balle en fait. Donc du coup mon signal c'est pas maintenant. Bon. Qu'est-ce qui est petit et qui attend? Ouais, on s'en fout. Aïe. Alors les gars, j'ai envie de vous dire, c'est pas cool du tout ce que vous faites, hein. Je vais me soigner en attendant. Quelqu'un me semble être me tirer dessus, mais je vois pas où. Ah, je le vois. Non, c'est un pote. Bah vise, gars. Dans ton genou. Aouh. Ah, c'était violent, ça. Eh, donne-moi des munitions avant de courir. Putain, j'ai sauvé Silas là. Je suis en train de me faire défoncer. Ouh, lui il est down. Mon dieu, sniper. Alors, je peux pas me soigner, je peux rien faire. Est-ce que quelqu'un éventuellement a quelque chose pour moi? Oh boy. Non. Mec, Turner. Il me faut plus de munitions, chef! S'il te plaît! Attention, Daniel! Je vois rien du tout! Je peux les avoir là! Grenade! Balance une grenade! Je vais lancer une grenade et il se met en déroute! Oh boy! Je peux utiliser le mortier? Non, je peux pas! Quelqu'un a pas des trousses de soins pour moi, éventuellement? Ah, oh. Non, j'ai besoin vraiment d'une trousse de soins, là. Ça va chier, là. Je vois pas, les gars. Ah, merde! Oh! Merde, c'est un piège! On s'est fait repérer! Venez! Ça crache, je pense? Oh, bon. Cours! C'est tout ce que j'aime pas, l'artillerie! Non! Je sais pas comment il s'appelle, mais il est mort! Bon, il y a des armes qui tombent du ciel, c'est trop bien fait en plus! Oh mon dieu, il est mort! Il s'est envolé vers notre ciel! Il me devait 50 euros! Commandant? Commandante? Debout, Red. Je te connais mieux que personne, donc je sais que tu peux encore te battre. Tu peux pas abandonner. Ni maintenant, ni jamais. Hall? Les Boches peuvent surgir n'importe quand. Alors relève-toi et montre-moi ce dont t'es capable. J'ai trop peur. J'y arrive pas. Tu le dois, Red. Hazel et ton petit ont besoin de toi. Relève-toi. C'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. T'es pas du genre à baisser les bras. Moi, je crois en toi, petit frère. Paul. Ah, son grand frère. Ouais, c'est vrai, j'avais dit. Paul. Rejoins-moi à la maison, petit frère.
Oh non! Briggs! Il s'est pris des écharpes, oh, putain! L'horreur de la guerre. Où sont mes potes? Où sont tous mes potes? Je dois trouver le point de ralliement. Ils sont tous morts. Tout le monde est mort. Ah, j'ai une trousse de soins. Ah, lui, il a passé une très mauvaise journée. Ça, c'est quand tu joues à PUBG et que tout se passe mal. Seigneur. J'ai une trousse de soins. Oh. Bon, bah écoute, je suppose que... Oh, bordel, oh, des loups. Non, c'est pas des loups, c'est un chien, mais... Oh, restez furtif. Ok. Je voulais pas tuer le petit loup, le petit chien. J'aime pas tuer les chiens, en fait, dans les jeux, mais bon, j'ai pas le choix, là. Là, c'est le passage infiltration du jeu. Où, du coup, tu vas essayer de pas te faire opérer. Je crois qu'il m'a opéré. J'espère que c'était le dernier. Bon bah, comme vous pouvez le voir, l'infiltration s'est très très bien passée, hein. Je me suis fait repérer par le premier gars qui a surgi, tu vois. J'ai réagi un peu impulsif avec impulsion, mais ils ont tué des mecs qui se rendaient, ok. Ça me met hors de moi. Bon, maintenant je suis dans la merde. On charge ça, j'ai que 3 balles dedans, t'es sérieux? Y'a pas une améliorante? Ouais, y'a pas beaucoup de plus de balles. Mais bon, je pense que là, pour la distance que je suis avec les ennemis, ça va être mieux. Putain, c'est usé ton truc là! Ça les déchire! Là, il me demande de récupérer un fusil pompe semi-automatique, ce que je vais faire, puisque je n'ai pas de munitions. Let's go! Et là, je peux rentrer dans un bunker. En avant! Le point de rassemblement est pas loin, et nos gars auront besoin d'aide. Bien compris. The fuck? D'où il sort ce gars-là? Ouvre la porte, je te couvre. C'est un bug ou j'ai rien compris au jeu? Ok, je vais faire genre... Peut-être que j'ai pas dû faire la bonne chose. Peut-être qu'il était quelque part et que j'ai dû le croiser. Trop délabré pour servir d'ouvrage de défense. Les Boches ont dû l'abandonner. Vous pensez qu'ils vont revenir? Pas de sitôt, j'espère. Ouais, je suis vraiment en mode... Je comprends rien je du tout à ce qui se passe. Je vais voir s'il y a de quoi se ravitailler. Et il y a effectivement... Des grenades. Et trousse de soins. Et c'est à peu près tout. Même pas... Tu vois des gars à nous dehors? Non, monsieur. J'espère qu'ils ont pu atteindre le point de rassemblement. Écoute. Je pense que peut-être que j'aurais pas dû attaquer, j'aurais dû rester discret et j'aurais dû le voir, le croiser en tout genre. J'espère qu'ils ont pu se mettre à l'abri de l'artillerie. On sera là pour les soutenir, t'en fais pas. J'ai fait sauter le script, tu vois. Voilà l'arrière. Y'a plus qu'à la suivre pour rejoindre le point de ralliement. Et réduire au silence ces canons. Wow. Tireur isolé. Il est là-haut dans ce bunker. On doit le déloger. Sors-toi. Suis-moi. Ça marchait pas trop bien avec le fusil à pompe que j'ai utilisé. Okay, le sniper, il est pas content. Baisse-toi.
qu'il t'a levé, je t'ai suivi, c'est tout. On va où du coup? C'est un des nôtres. Vérifie les flancs. Essaye de voir si on peut l'atteindre. Je peux plus bouger. Je peux plus marcher. Mais t'es où? On va te mettre à l'abri. Tiens le coup. On va la voir. On doit se dépêcher. Je peux plus marcher. Aouh. On va lui tomber dessus par... Ah, je pense que c'était pas une bonne idée. C'est un des nôtres. Vérifie les flancs. Essaye de voir si on peut l'atteindre. J'ai arrivé de l'autre côté cette fois-ci. On va se mettre à l'abri. Tiens le coup. On va la voir. On doit se dépêcher. On va lui tomber dessus par là. Putain. Il a attiré son attention. Il va mourir lui. Mais il est mort. Mais c'est quoi ce jeu là? Je vais attirer son attention. Débusque-le. Tire-moi. Mais c'est impossible. Je vais attirer son attention. Débusque-le. À l'aide. Mais what the fuck? Je vais attirer son attention. Accroche-toi, l'ami. C'est impossible. Ah, ça m'énerve, ce... Point de contrôle de merde. Non. On commence l'émission. M'en fous. Je recommence tout. M'en bats les couilles, frère. Enfin, ça, c'est la version... Director Cut, tu sais, avec de l'infiltration. Il va venir ici, en fait. Pourquoi les herbes bougent autant? Putain, c'est dingue. Fuck. Aouh. Dernière. Soigner un peu quand même. Au minimum. Hey! T'es là, toi? Le point de rassemblement est pas loin. Donc t'étais caché dans les herbes. Bien compris. Ok, bah non, t'es pas une hallucination, en fait. J'ai cru pendant un instant que t'étais quelqu'un qui existait pas, tu vois. Oh ouais. Ça aurait été marrant, d'ailleurs. On va te mettre à l'abri. Tiens le coup. Oh, mais non. Je me suis fait tuer par ma propre grenade. Elle est revenue pour c'est moi. C'est un des nôtres. Vérifie les flancs. Essaie de voir si on peut l'atteindre. Allez. On va te mettre à l'abri. Tiens le coup. On va la voir. On va se dépêcher. Je suis là. On va lui tomber dessus par là. Je vais attirer son attention. Accroche-toi, l'ami. T'es en sécurité. On aura ce tireur isolé. Voilà, ça fait plaisir. Là, j'ai réussi à le sauver, tu vois. Mais par contre, je vais me soigner un peu. Eh hey mec, t'aurais pu venir m'aider, hein. Il faut des munitions, chef. Les voilà, soldats. Putain. 20 minutes pour pouvoir refaire ça. Il est pas sérieux, toi? Ok. Oh. Ça, c'était méchant, ça, dis donc.
En fait, je peux vous monter à l'escalier là, mais je sais pas où ça va. Ah, c'est ici que je dois aller. J'ai récupéré. Ouais, je récupère des grenades. Ah, c'est lui ou. Aucune idée. Je me suis soigné tranquille. Où est-ce qu'il est? Il est à mec. Bien joué, Daniels. Il a essayé de me faire peur. Suis-moi. Je peux descendre par là? Non, je vais devoir faire tout le chemin par là. Je récupère son sniper éventuellement, ça fait des dégâts, tu vois. En avant. Le point de rassemblement est pas loin. J'espère que nos gars l'ont rejoint sans peine. Tu penses, toi? Tu m'as sauvé la vie. Mais oui. Je te revaudrai ça. Mec, j'ai recommencé le jeu exprès pour te sauver la vie. Tu peux même pas imaginer à quel point ça me fait plaisir de t'entendre me dire ça. J'étais après cette scène horrible où j'ai perdu la plupart de mes collègues. Les coups de feu, nos armes sont pas loin. Allons-y. On va s'emparer de cette mitrailleuse. Ça, c'est du tir. Vache vers les sacs de sable. Je vais te prendre son sniper, putain! On est coincé, Daniel! Faut aider la section à nettoyer la zone! Bien coupé! Wow! Ah, punaise! Hey! Munitions pour toi, soldat! C'est comme s'il m'avait repéré, lui, hein! Moi, j'aime bien cette position là, je suis en surplomb! Et je peux viser les têtes, tu vois. Je dois recharger. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ah, j'ai mal, j'ai mal. Ah, dans la grange, les gars. Putain, mais vous savez à quoi, vous? J'arrive. J'ai besoin de munitions, lieutenant. Et voilà, soldat. Merci. Allez, let's go, faut avancer les gars, faut avancer, c'est Call of Duty, hein. On peut pas rester 20 000 ans au même endroit, sinon les gens, ils respawn, ok? Clear! T'es mort? Non! Je lui avais sauvé la vie, il est mort quand même. What? Ouais, replie-toi comme tu veux, mec. Oh putain, ça pique. Oh putain, ça pique. Je pense que je peux passer par là. Faire le tour. J'ai essayé de te viser tant bien que mal. Et c'est plus, ça a été plus de mal que de bien. Mais donne-moi les munitions, tu veux. Il est down. Il est down. Donne-moi des munitions, toi. Chef, des munitions. Les voilà, soldat. C'était le dernier. Bien joué, Daniel. Toutes les squads se remplissent vers le pont. Le moulin nous servira de base. Et quand personne nous aura rejoint, on se dirigera vers le point de rassemblement. J'arrive, chef. Des tireurs enregistrés. À couvert. Ripostez. Ils se sont cachés, putain. Allez, down. Ok, et le troisième. Eh hey, gars, ils sont tous morts. Ça arrive, hein. Allez,
Putain, les gars, vous êtes sérieux? Vous êtes combien, bordel? Ah ouais, ce serait bien, ouais. Mec, donne-moi tes ta fameuse fumigène Mec! Attention, Daniel! On les a eus! Vous relâchez pas! On attend personne et puis on sera au point de rassemblement. Ouais. Daniel, avec moi! Je suis prêt. On tient la position jusqu'au retour de Pearson et on prendra la colline ensemble. Sauf s'il a contourné le moulin et qu'il y a allé seul. Il a pas assez de soldats. Ça ne l'a jamais arrêté. J'ai dit qu'on attendrait. Et c'est ce qu'on va faire. Sans votre respect, chef. Et si Styles avait raison et que Pearson était devant? C'est à moi de m'en soucier, Daniels. Mes tripes me disent que quelque chose cloche. Si je basais mes décisions sur tes tripes, soldat, on serait encore sur la barge en Normandie. Exactement. Tu sais que la section de Pearson a été anéantie à Catherine? On dirait que l'histoire se répète. J'espère pas. Je veux savoir ce qui s'est réellement passé. Bah, j'ai pas les couilles de demander à Turner. Mais j'en connais un qui les a. Qui ça? J'ai pas compris. Qui a les couilles de quoi? Notre mission consiste à éliminer l'artillerie allemande ensemble. Mais si Pearson voit une opportunité, il la saisira, au détriment de l'escouade. J'ai trouvé aucun souvenir. L'attention monte de plus en plus entre Turner et Pearson. Ouais. Et ça n'ira pas en s'arrangeant. Ok, très bien. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode en ma compagnie. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et en laissant votre plus magnifique et juteux pouce bleu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'est Ross, out.